Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de mon let's play sur Man of Medan. La dernière fois, de toute façon vous êtes obligé d'avoir vu mon troisième épisode pour voir le quatrième, c'est un peu logique. La dernière fois on s'était arrêté, pas sur la mort de Brad, mais Brad est mort. On ne sait pas pourquoi, on est revenu sur lui comme ça, mais j'aurais pas dû descendre, j'aurais pas dû descendre. Mais apparemment on est, j'ai l'impression qu'on est presque obligé de faire mourir au moins une personne pour ta première fois, pour ton premier let's play. Ouais, première partie, mince. Je suis encore dégoûté parce que là, je tourne juste après le troisième épisode parce que j'avais trop envie de le faire. Vous, c'est pas tout de suite après que vous l'avez. Enfin, peut-être si ça dépend si l'épisode est sorti ou non, ou si vous commencez le troisième épisode et que vous regardez le quatrième à la suite s'il est sorti. Mais bon, bref, arrêtons de blablater. Continuons. On va toujours jouer seul, hein. J'ai déjà commencé une partie, on ne jouait pas seul avec mon frère. Et bon là, il y a aussi avec Conrad, là, il nous manque avec lui. Pont supérieur, pont ouvert. Pourquoi 13h01? Ah! Non, 9h16 de me dire, ah oui, c'est ma sauvegarde. Ah ouais, et par contre, pour Brad, je suis dégoûté parce qu'il est mort un peu comme ça, prématurément. Il n'y a pas eu de... comment dire? On ne le contrôlait pas et il est mort, quoi. Mais là, c'est vraiment, je suis descendu et il est mort, quoi. Enfin, il n'était pas mort. Mais après, il est mort. Mais je pense que je vais me. Mais après, c'est chiant parce que pour une première partie. Mais c'est kiffant en fait, en vrai. Si t'aurais pu l'éviter, tu dis ah merde, ah mince, c'est tout quoi, c'est dommage. Alors là, on est avec Julia, pont ouvert, 3h22, le 21 juin. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de ne pas perdre les pédales. Apparemment, D'accord? la quatrième partie, c'est plus Le stressant. truc que j'ai vu, on aurait dit de vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts et après, ils l'étaient plus et... Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire. Alex n'était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. Bah, et toi, t'as La vu tête aussi. d'Alex, c'était un cauchemar. Julia, Je suis là. je te ferai jamais de mal. Tu le sais, hein? Oui, je sais, mais... Tout ça peut pas arriver en même temps. Limite, un truc ou deux. Ouais, pour Brad, Regarde, je vais le dire nage longtemps, plein mais de bon. délire. Attends, on reste Ça peut pas être concentré. une coïncidence. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr? Qu'est-ce qui est bien réel? C'est un vaisseau fantôme. Où est l'or qu'on fait crainte, on va mettre crainte. Je débloque ou on est sur un vaisseau fantôme? Genre, les vaisseaux fantômes existent, c'en est un, et on est coincé dessus, et putain, on est carrément dans la merde! Ouais, c'est ce que j'allais dire. On a trouvé un mot disant que plusieurs soldats ont essayé d'esquiver leur tour de garde parce qu'ils avaient peur d'un truc. Tracas, où est l'équipage? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Investigation. Je serais curieuse de savoir ce qui est arrivé à ce bateau. Ouais, mais Aucune idée. il faut mieux se barrer. Où est l'or? Il est bizarre cet endroit. Cet endroit est vraiment trop glauque. C'est crade, ça pue, ça craint. Ça craint. J'aime pas ça du tout. Il y a vraiment un truc qui cloche. Où est l'or? Où est l'équipage? On va mettre tracas. Je Qu'est-ce qui pense est qu'ils vont nous arrivé aux ramener membres de vers. Où est l'équipage? l'or? Où ils sont tous passés? Bon sang, ce bateau ressemble plus à une tombe Il y a qu'autre des bugs chose. dans le jeu. Alors ils viennent d'où tous ces cadavres? On dirait qu'ils sont morts de peur au sens propre. Au moins on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Allez, on se casse d'ici. On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. Minute. Doit bien y avoir une radio quelque part. Et vous avez On va oublié peut-être s'en Conrad. servir. Lui, il s'est barré. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois Il qu'elle va marche laisser prévenir encore? quelqu'un. Il faut qu'on trouve comment y arriver. Mais il y a votre radio aussi. Mais pour. C'est là qu'il est pas mort. Mais non, mais si, il est mort. Et on nous l'a confirmé. Alex, pont ouvert, 3h43. 21 juin. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Ouais. Purée, mais. Je sais que mon frère aussi, il a tué quelqu'un lors de sa première partie. Mais je sais pas qui c'est, il m'a pas dit. Heureusement d'ailleurs, parce que. Mais j'ai l'impression que c'est différent. Parce que moi, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû descendre. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis idiot, hein. J'ai mal joué, bon, bah, du coup, ça s'est retourné contre moi. Eh bah ouais. Je vais pas refaire un let's play, essayer de faire survivre tout le monde.
ce qu'on a déjà vu et tout, je ferai de mon côté. Là, c'est le let's play de ma partie avec ma première partie avec vous. Comme du gruyère. Ouais, j'avoue, on aurait pu se barrer avec. Mais il y a votre bateau, retour. Ah ouais, mais faut qu'ils récupèrent leur tête d'allumage. Non, mais en plus là, pour Brad, là, comment ils vont le découvrir tout ça? Non, mais ça me dégoûte parce que Brad, c'est un peu mon poteau, quoi. On se ressemble, on va dire, en quelque sorte. Mais je vais garder l'œil ouvert. Je pense que je vais plus refaire des choix comme descendre de trucs comme ça. Oh merde! Je pense aussi, imagine, on tombe sur Brad. Alors, commencez toujours par mettre votre propre masque à gaz, ok, dans le casque, tenez-vous. Bon, là, c'est des instructions pour les masques à gaz. En fait, il t'offre tellement de choix aussi que tu te dis, bon, il n'y a que ça à faire et tout. Non, c'est pas bon, on va suivre, on va aller voir là où il y a Julia. On va monter. Hé, hey, j'ai rien contre un petit coup de main. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Ouais, il est lourd, hein. Je vais t'aider. Bon, ça. Je sais pas pourquoi des fois ils font des trucs de transition comme ça. Du coup, Fliss, ça s'est barré où? On sait même pas. Purée, il y a des bugs dans le jeu. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça, mais ça se voit en fait. Ah, ok, moi, je m'en fiche un peu. C'est peut-être par rapport, faut peut-être faire les mises à jour et tout. Oh, bah elle est là-bas. Après c'est peut-être pour ça qu'il y avait les transitions et tout. Mais elle aurait pu attendre. Bon, il me reste 4 personnages en vie, dont un qui a réussi à se barrer. Ah bah désolé pour les chiens. Enfin, j'en ai qu'un, mais bon, il y en a un qui est venu aussi. Du coup, voilà, par ça ici. fait plus de bruit et tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est des toutous. Hein. Y a un chemin par là. What? C'était pas Conrad là derrière là? Ah, mais il y a des bugs. Ouais, là-bas, ouais, il y a beaucoup de bugs graphiques. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas fait la mise à jour. C'est pour ça. Mais j'ai pas internet. Enfin, j'ai pas. Je suis en 4G, mais bon. J'ai pas envie de gaspiller trop de 4G là. J'ai des choses à faire aussi. En haut débit. Merde. Ah, prémonition. Là. Ah. Suicide. À bout portant. Et où elles sont barrées, les filles? Vous avez trouvé la radio? Non, mais il va y avoir une radio sur ce navire. Il y en a forcément une. Non, c'est une carte. Il y a un problème, là. Quand on veut aller à San Francisco, on suit pas cet itinéraire. On a l'impression qu'ils voulaient pas se faire repérer. Ils jouaient à cache-cache, mais sur l'océan. Map of the world, c'est un secret ça. Et je repense toujours à Brad parce que là je viens de tourner après le troisième épisode là. Ça me dégoûte. Je pense que si j'aurais attendu de tourner le quatrième, il n'y aurait pas cet effet là. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages.
Ils n'ont pas pu trouver leur position. De toute façon, peut-être dans la partie à deux avec mon frère, je modifierai ça. Mais bon, on est obligé, je pense, de faire mourir quelqu'un. Ça dépend qui, mais je pense que c'est la façon dont tu joues. La radio marche encore. Ouais, c'est dégueu. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. Ça sent le désespoir. Je meurs. Ils sont appelés les traîtres. Ouais, ça c'est le. C'est le lui là, ouais, quand on l'a vu qui essayait de s'échapper. Regardez. Oh putain, j'hallucine là. Mais en vrai, Brad, c'est sa faute, pourquoi il s'est ramené? Et je pense que j'aurais pas dû descendre. La radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant. Je vais la tester. Ah, ça fonctionne. Ok. C'est une station de nombre. Bon, là, on fait un peu n'importe quoi, ça peut le but. Fréquence militaire. On demande de l'aide. Hé, est-ce que quelqu'un nous reçoit? Allô? Trajectoire actualisée. Oh merde! Ils répondent. Panique, c'est une urgence. Voilà nos coordonnées. Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Nos coordonnées approximatives, 12 degrés 30 minutes sud, 151 degrés 20 minutes ouest. S'il vous plaît, traînez pas, on a besoin d'aide. Il ouais, fallait faire ça, faut rester calme. Ah bordel, j'aime pas ça. On va répéter, panique, c'est une urgence, anxiété. On est sur un cargo, parce qu'il faut rester calme. Cargo abandonné, énorme et vieux. Allô? Allô? Ouais. Quelqu'un me reçoit? Hey, répondez-nous! Trajectoire actualisée. Wow. Lumière s'est éteinte. Ah, regardez ça! Wow. Purée, ça me rappelle avec Brad là où fallait pas descendre. C'est que je le rabâchais longtemps ce truc là. Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici, au cas où on recevrait un message. J'y vais, évidemment. Je viens aussi. Attends, quoi? Julia, non. Tu seras pas toujours là pour me protéger, Muscleur. Je peux me débrouiller, crois-moi. Oh, oh, si Julia dit qu'elle peut gérer, elle peut se débrouiller. Bon, c'est plié. Ok, on y va, Julia. Trajectoire actualisée. Est-ce qu'elle est morte? Si elle est morte, j'ai tué deux personnages pour ma première partie. En tout cas, elle a l'air d'être assommée. Alex, point inférieur. Ah non, c'est bon. Elle s'est blessée en tout cas. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, décontraction, ça va. Brusquerie, chut. Décontraction. Je vais bien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. J'attends près de la radio. Ok, relation actualisée. Là. C'est un briquet, ça? Ouais. Hey. Après toi? Allez, on y va! On y va! On dirait les niveaux inférieurs du navire. Faut trouver le générateur. Bon, on trouve d'autres secrets en même temps. Bon, je sais pas si c'est vraiment utile ou non, quoi, mais... Rien de dire sur Miller, SDT, Larsin, un jour de tension. Ok. Joseph Robert, si vous restez lui, mais... Joe à l'infirmerie. Peut-être qu'on va aller à l'infirmerie. Et c'est là qu'on va... On va peut-être découvrir leur corps. Et bon.
Eh, c'est bon, allez, dégage. Là, il y a quoi? R2. Encore une note. Contrôle de réunion entre le scientifique X et le junior chez Walter. Sans ce qu'on le soit, on a besoin d'un dans un sujet humain, les effets ne sont pas imaginés. Cri deux, oh, ok, ils ont testé des trucs sur des humains. Secret trouvé. Compte rendu de réunion. Et là, il y a quoi? Une autre note. Apparemment, il y a eu une bagarre et un certain Charlie a fini au trou. C'est vrai que soldat Charles Anderson en permission, soldat Charlie, mais ouais, mais pourquoi Dix il dit jours les au trou. surnoms? Ça a dû cogner fort. Bah, c'est pas vraiment une bagarre quoi, c'est Ah, mais attends, ça veut dire qu'au tout début du jeu, c'est 10 jours. C'est 10 jours après. Après qu'il soit fait arrêter, en fait, peut-être, ouais. Si on s'en Ah, sort, je peut-être passe pas. le restant de mes jours dans un bain. On va sortir d'ici, Julia. J'espère que t'as raison. Je me trompe souvent. Alors. Ah, le générateur, ça va être long à trouver. Ah, je veux plus mettre descendre maintenant. Mais je crois qu'il va pas avoir le choix. Viens voir ici. C'est que je regrette mon Là, choix avec Brad. Je pense que j'aurais regarde. dû continuer. Je suis C'est idiot la aussi. salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non? On va voir. Generator. Il n'y a plus d'échelle. Je pense pouvoir sauter d'ici. Attends. Est-ce que ça Ah. va? Ouais, ça va. Ouais. Ça ira. Rejoins-moi. Ouais, mais là, Ah, c'est bon, en fait. Et du coup, ils vont faire comment pour remonter? Ça va être chaud. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Et t'as pas Vraiment pas vu? vu du tout? Non, non. Bien sûr que non. Pardon? Ouais, je crois que je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici. Mais en vrai, Brad, Personne ne m'a si... attaqué. Ouais, je crois qu'on est tous en train de perdre la boule. Je crois que c'est la brume qui provoque ça. Pourquoi la brume nous rendrait fous? Et peut-être qu'on l'a respiré et que ce truc nous fait perdre les pédales. Ouais, Rien c'est de la tout b... ça n'est rien. c'est un quelque chose qu'ils ont Est-ce que testé. ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion? Je sais pas, peut-être que l'avion a essayé de contacter le navire, mais c'est qu'une théorie. Bon sang. Ok, faut continuer. Alors. Il y a un truc là. Prémonition, non? Non. Van Linden Engine Works. Van Linden Engine Works. Rotterdam Pays-Bas. Moteur diesel. Year 1920. Je suis pas une bouse en anglais, mais Et bon, ce je serait suis passé pas quoi si à la le. place on était parti au Japon? La ferme. Est-ce que j'ai bien fait d'aller par là? Eh, mais en vrai, j'ai envie de voir le où qu'est-ce qu'a fait Squeezie comme choix? Est-ce qu'il a fait tuer quelqu'un ou pas? Ah, parce que j'ai commencé son let's play il n'y a pas longtemps. J'ai vu que le premier épisode. Du coup, j'ai l'impression que tout le monde a fait tuer au moins une personne dans le groupe. Dites-moi en commentaire si vous avez au moins tué une personne et dites-moi qui. Comme ça, je saurai. Si vous avez le jeu, bien sûr. Si vous y avez joué, dites-moi si vous avez fait survivre tout le Hé, monde ou non. Et si vous avez rappelle-moi tué ça. quelqu'un, dites-moi Le recycleur. qui et comment. Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke. Tu crois qu'il marche toujours? Il reste peut-être encore quelques Mais comment minutes ils l'ont d'oxygène. ramené? Ça vaut le coup de le prendre? Ça nous Ouais. fera perdre du temps. Assurance, prendre, laisser. Non, on va quand même prendre. Non, on devrait On le sait prendre. jamais. Certaines parties du bateau sont submergées.
Ouais, Danny, il a réussi à survivre. Dis-moi seulement où est ce putain d'or. J'ai perdu la tête, pourquoi? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Il va le tuer ou pas? Écoute-moi. Ah, il va le tuer, attends. Non. Fais pas ça. T'as qu'à... Oh, je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh, merde. Il y en a au moins un qui est mort. Merde, 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 qu'est-ce que je vais faire? Bon, au moins, t'as tardé à tuer. Hein. Ça m'en sans rien. Ah, au moins. Ah, c'est ça, ils sont en train de péter un câble. À cause de la fumée. Est-ce qu'il va aller voir? Merde. Calme, calme, calme. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. J'ai bien fait de pas louper, mais ça va, c'est assez simple quand même. Quand t'es concentré dessus, ça va. Du coup, lui, il est mort ou pas? Normalement, ouais. C'est... Là j'ai eu un truc là. Ah c'est ça. Le gaz est là dedans. Attends mais j'ai vu un... On peut... Il revient. Merde, il arrive. C'est de se barrer du calme ou... Courir, inspecter. Non on va courir, on va courir, il arrive. Allez, expo inférieur, 99, 21 jours. Pas la peine de vous cacher, sale petite merde. Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein? Y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez. Plus qu'assez. Et on est tous du même côté, non? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que là, j'ai rien à dire du coup. Ah, du calme. Si je vous laisse pas tout l'or, vous allez me laisser crever. Tout seul. Laissez-moi le capitaine. Laissez-moi le contre vous. Et je suis le seul à décider de qui reste. Et qui. Merde, j'ai fait une erreur. Bordel, si j'avais pas fait cette erreur là. Comme un idiot, je suis allongé en plus là. Enfin, pas vraiment, mais. Celle-là, allez, épêche-toi. C'est bon, tu crois? Dis-moi qu'on craint pour rien. C'est bon. Pour l'instant. Bon, faut essayer de se barrer. Bah, restez pas là. C'est bien, il y a beaucoup de sauvegardes dans le jeu. What? Ah, c'est Junior. Ok. Personne ne bouge. Et personne. Ah, mais lui, il peut se suicider. Tournez-vous. Voilà. Lentement. Ok. C'est bon. Personne ne change. Ça suffit. Les mains en l'air. Lentement. Non, 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 pas comme ça. J'ai dit, personne change. Il se passe rien. On n'a pas de problème avec toi. On veut juste se tirer d'ici. Pitié. Désolé, mais
Si vous respirez, alors vous n'avez pas vraiment le choix, on va dire. Ouais, vous y pouvez rien. Ah, ça recommence. Ouais, ils sont devenus tarés. Quoi? Quoi? Mais de quoi tu parles? Attention! J'espère qu'il va pas les tuer. Restez loin de la brume. Hé, hey, y a pas de brume, là. Respirez pas. Faites gaffe à la brume. Alors c'est quoi cette brume? Y a pas de brume. On va dire ça. Attends, c'est quoi cette brume? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que je suis curieux. Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes. Elle est entrée. Elle est avec nous, là. S'il te plaît, calme-toi. Stop. Stop. Elle est dans l'un de nous, pas vrai? Pose ton flingue maintenant, allez. Pourquoi tu me dis ça? Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré, ça se produit. Je peux le sentir. Alors, inquiétude, j'ai vu un truc dans cette pièce. On va mettre de rejet, il n'y a pas de brume. Mec, il n'y a pas de brume. Merde! J'ai tué deux persos! J'aurais dû dire l'autre. Purée. Hey. Mais c'est sa faute aussi, là. Purée. Deux persos sont morts. Eh, hey, là j'ai mal joué. Je pense que j'ai mal joué. Enfin, c'est pas je pense, j'ai mal joué. Ah, il y avait un bug avec lui. Ah, merde. Il y a que trois persos qui sont vivants. Eh non, 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 eh, je suis triste là, ça fait... Eh, c'est Brad et Julia maintenant. J'aurais dû dire à l'autre là, parce que je savais pas quoi dire. Putain, je rêve. On aurait dû rien dire sinon. C'est un film à la con avec le bateau qui coule. Avec la musique en moins. J'hallucine. Y'a pas moyen d'avoir une doublure. Ah, il est plus aussi triste là. Merde. Et c'est en fait, je pense que c'est moi qui ai le plus mal joué dans tout ça. Pour l'instant, j'ai évité une balle, de faire une chute mortelle, de me noyer, et c'est l'ennui qui va me tuer. Hé hey, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai deux personnages. Ok, message reçu. Va falloir que je descende. J'ai envie de pleurer là. Enfin, pas vraiment, mais je suis triste. Juste pour ça. J'aurais dû ne rien dire, mais c'est compliqué les choix, là. Là, c'est hardcore, hein. Parce que tu peux viser un seul truc et voilà, quoi. Je sais plus par où ils sont passés. Non, même pas par là, quoi. Et j'ai l'impression que je vais faire mourir tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais... Ah. Bon, bon, c'était pour rien. J'avais mis sur pause pour enregistrer. Du coup, ça avait foiré. Mais... Oh, fantôme de Brad, ça. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il est un fantôme, parce qu'il est mort, ouais, voilà. Ah, purée, j'aurais pas dû faire ça. Purée, mais là, par contre, l'autre truc, là, c'est... Mais c'est vraiment chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Mais par contre, le truc descendre, j'aurais pu vraiment l'éviter. Là, c'était compliqué. Mon frère, lui, il a tué qu'un seul personnage. Moi, j'en ai tué deux. Purée, quand je vais lui dire ça... Tous les fichiers terrain dans la mission de recherche dans la création. C'est Hawkins, le pauvre, il n'a risqué de rien dû. C'est expédial, mais il aura le droit. Ah, il est en bonne forme, en respect qu'il mérite toutefois que son corps soit repatrié. Pour y avec les moyens du bord. Ok.
Purée, il y a Julia et Brad qui sont morts. Mais Brad, je pense que c'est le truc que j'aurais vraiment le plus évité. Si j'étais moins idiot, là, j'aurais encore la mort. J'en non. Étais sûr. C'est pas là où Brad est mort, non? Eh, je vais ça pas descendre. Je vais pas descendre. Ah bah finalement elle descend toute seule. C'est Olson ça. Parce qu'il y a... Il y a Junior et Danny qui sont morts. Ah, c'est les trois trois caisses là, je sais pas si c'est des cercueils ou non. Mais... écoute-moi. Respire à fond, ok? C'est pas purée pour Julia, ils allaient se marier et tout là. Attaquer, on va reculer. On va prendre la prudence. C'est bon, je recule. Ok? Allez, on se calme. Là, il a un marteau, faut pas déconner. Du calme. Du calme. Tu risques de le regretter. Trajectoire actualisée. Ah, mais il y a Alex qui s'est ramené, hein, du coup. Enfin, je crois que c'était lui. Enfin, il y a Olson, mais... Il n'y a pas Alex qui s'est ramené. Ah, mais c'était eux, non? Carré, allez. Non, 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 non. Je vais pas perdre un troisième perso. Peut-être même pendant ma deuxième partie et ma deuxième partie. Ah bah oui, bah il y a bien Alex. Peut-être pendant ma deuxième partie, je vais tuer. Je vais. Ah! Pourquoi j'ai parlé? Chut! Tais-toi Clément maintenant. Mais Alex il se barre là, me laisse pas. Concentré. Ficelle se barre. Alors panique, attends. Autorité. Ah, attends, on va dire attends, panique. Oui, oui. Vas-y, Flis, cours, 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 cours. Ah, il y a quelqu'un derrière. Pousse-le, pousse-le. Pas grand chose. Si j'avais loupé le QTE là, j'aurais perdu un troisième perso. Eh mais je pense que je suis le seul pour la première partie à avoir perdu deux persos. Et si vous avez joué à ce jeu, dites-moi qui vous avez tué, s'il vous plaît. Ou à moins que vous avez fait surveiller tout le monde. Mais soyez honnête. C'est moi j'ai fait tuer deux persos. Et vous le voyez, vous l'avez vu. Pourquoi t'as pas pris le marteau?
Ah, le jour. Mais merde. Et t'as pas dit que Julia elle est morte? On est sur leur bateau là. Et ils disent même pas bras des vivants, bras des morts. Allez, c'est parti. Que Conrad qui a réussi à se barrer. Mais ils ont pas le choix. Parfait. Mais là, vous aurez pu tirer. Trajectoire actualisée. Ah, Conrad. C'est qu'ils vont venir. Merde, ils sont où? Ouais, ils ont réussi à se barrer. Pas qu'on va jouer Conrad. Non, je pense pas. Ah si, c'est possible, parce que Conrad on l'a joué qu'une fois. Mais c'est quoi cet endroit? Purée, c'est sombre. Et il va rentrer. Y'a personne? Qu'est-ce qui se passe? Eh, c'est sombre, les gars. Les gens. Désolé. Parce qu'il y a peut-être des filles qui regardent aussi. Pas être sexiste ici. Il n'y a pas de sexisme. Du coup, je vais enregistrer, là. Eux deux, ils ont réussi à se barrer, du coup. Ah, et Brad maintenant. J'aurais peut-être pu la sauver. J'aurais pu prendre sa place. J'aurais dû être à sa place. Et pour Conrad. Et pour Brad, il se pose même pas la question. Ah ouais. Ça, c'était un accident. Ah bah, le jeu est fini maintenant. Ouais, c'était la quatrième partie et bien la dernière. Mais il manque des petits trucs, genre Conrad. Normalement, là, il est rentré dans le bateau et tout. Mais on a vu que Julia qui est morte, alors que Brad aussi, il est mort. Là, on est avec le conservateur. Voilà, c'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Ça n'était pas si mal. Quelques morts, malgré tout. Ouais, deux. Par votre faute. La deuxième, c'était difficile, par contre. Je suppose que quand le rideau tombe, soit on y est préparé, soit on ne l'est pas. Tout est une question de choix, n'est-ce pas ? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison, ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. À très bientôt. Peut-être à Little Hope.
ou peut-être ailleurs. Lui, on va le revoir dans les prochains jeux. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun doute. Parce que comme c'est une ente... inévitable. Ouais, parce que comme c'est plusieurs jeux à la suite qui vont sortir... Bah, c'est pas les suites, mais... ce sera dans le même univers, en fait. En tout cas, le jeu était bien. Après, c'est les producteurs d'Until Dawn, les développeurs et tout. C'est l'équipe qui a fait Until Dawn, du coup, Until Dawn était très bien. Ce jeu-là était très bien, mais il était chaud, par contre. À la quatrième partie, j'ai pas stressé, mais... Ouais, j'ai fait tuer deux personnages, quand même. Quoi dire d'autre? Bah, ouais, la quatrième partie, c'est bien la dernière, il y a le générique. On le laisse, quand même, parce qu'en même temps, je peux parler et tout. De toute façon, j'ai recommencé une partie à deux avec mon frère. On a fait que le début encore, que le premier épisode. Pour les deux personnages, j'aurais vraiment pu éviter. La Brad, je pense savoir si je serais pas descendu, il serait pas mort. Julia, je pense si j'aurais pas mis le truc, elle serait. Ou soit je m'aurais mis ne rien dire, ou l'autre, elle serait pas morte. Mais par contre, on a montré que. Ah ouais, mais bon. Brad, on l'avait déjà vu en fait. En tout cas, super jeu. J'attends le prochain là, de The Dark Pictures Anthology. Ce sera pas les mêmes persos, c'est sûr. Ce sera complètement différent. Et ils disent sur la boîte, l'anthologie de Dark Pictures est une série de jeux indépendants qui sortiront à intervalles réguliers. Chaque jeu proposant une histoire, des personnages et un lieu complètement différent. Mais on va le faire ça de toute façon. On va le faire le prochain jeu aussi parce que j'aime trop les films interactifs. J'ai joué à Beyond Two Souls, Until Dawn, il faut que je joue à Detroit Become Humans. Ce serait bien en vrai de. Faut que j'achète le jeu et peut-être que je ferai un let's play pour voir quelle est mon histoire, comment je vais gérer et tout. Mais bon, en tout cas, le jeu était cool. Mais bon, ça me saoule un peu d'avoir tué deux personnages dès le début. Et il manque aussi quelque chose. Conrad est arrivé, il est entré dans le bateau et voilà quoi, c'est fini quoi. C'est un peu dommage, bon, on sait même pas ce qui va lui arriver. Et voilà quoi, pour Brad, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Ils sont même pas dit, ah bah Brad il est où, ou voilà quoi. J'espère qu'avec mon frère on va bien réussir à gérer ces moments là. En vrai le but c'est on est rentré et le but après c'était de partir. Mais c'est vrai qu'on a découvert quelques secrets, tout ça. Bon, je pense que là, quand on va jouer deux, on va découvrir autre chose, on va faire autre chose, j'en sais rien. En tout cas, j'ai fait survivre trois persos, enfin, Conrad, on sait même pas ce qui va lui arriver, mais bon, ça, c'est ça qui est dommage, ça se finit comme ça. Ah là là. Mais en tout cas, il y avait quatre épisodes qui étaient très cool. J'avais à chaque fois envie de continuer quand l'épisode était terminé, à part le premier où je dis bon, on va attendre un peu, c'est calme, on va laisser quoi, on va attendre un peu. Après le 2 j'ai fait, aussi pour le 2 j'ai attendu parce que j'avais une autre vidéo à faire, c'est sur ma chaîne secondaire, normalement je la mettrai dans la description. Le après 3ème, 4ème j'ai tourné d'affilée, c'est pour ça. Mais en tout cas, c'était bien. Stressant à certains moments, mais je trouve que c'est trop rapide. Je trouve le jeu trop rapide. Ah mais c'est vrai que les génériques de jeu ils sont loin. Attends, Special Thanks to. Attends, c'est peut-être fini là. C'est vrai que les génériques de jeu, je sais pas si vous avez tout vu des génériques de jeu, mais en tout cas ils sont longs. Uncharted, j'ai vu c'était long et tout. Est-ce qu'il y aura une scène post-crédit? Chargement. Peut-être, hein, on sait pas. Hein. Parce qu'il y a Conrad, on sait pas pourquoi il est. Bah, si, on sait pourquoi il est revenu, mais. Voilà. Ah, ouais. Ah, mais il est encore en vie, lui. Il aurait déjà dû être mort, normalement, c'est pas logique, ça. Ok. Est-ce que c'est que ça, la scène post-crédit? Non, attends. On va voir. Ah, l'hélicoptère. Du coup, ils vont le sauver. Et eux, ils vont mourir, non? Peut-être, j'en sais rien. Hmm.
Hey, donc, comme par magie, ce truc envoie un SOS. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, pas vrai? Wow. C'est quoi ces conneries? Ils vont trouver Conrad et l'autre là, Danny. Ah, il les a tués. J'ai obtenu un trophée, pas besoin d'aide. Bah, vous le voyez pas normalement. Bon, est-ce que la scène post-crédit est terminée parce qu'il manque Conrad? Plus c'est deux scènes post-crédit, enfin... Ah non, apparemment c'est terminé. Bon, j'ai terminé le jeu avec deux morts sur les bras. J'espère que le ne jouer pas seul avec mon frère, qu'on a déjà commencé, on va réussir. Peut-être je mettrai sur les réseaux sociaux, hein, si on a réussi à faire survivre tout le monde ou non. En tout cas, j'ai l'impression d'être le seul à avoir tué deux personnages pendant ma première partie. Dites-moi en commentaire si vous avez joué au jeu et qui vous avez fait mourir, ou sinon si vous avez fait survivre tout le monde. Mais si vous avez fait mourir quelqu'un ou deux comme moi, ou plus, ou tous, enfin tous, logiquement, vous ne pouvez pas me dire qui c'est, dites-moi qui vous avez fait mourir. Ça m'intéresse. Alors, je vous laisse le soin de vous abonner, de mettre un commentaire, de partager, de mettre un gros j'aime ou plein de j'aime. Mettez plein de j'aime parce que le jeu est vraiment bien. Surtout partager aussi, il faut que tout le monde voit ça. Il faut partager le premier épisode. Mais je mettrai en bibliothèque là, si j'ai le temps. Normalement, oui. Du coup, allez aussi activer la cloche. Et du coup, comme c'est la fin du jeu, fin du let's play. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Allez, salut! Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand.